tout le monde remarque que depuis quelque temps là, insécurité, kidnapping, violence gangue ont l'autre niveau. L'autre niveau côté, nous voyons, comme il a soit couru, la couru dans les Solino, la couru dans Belma, au pire côté, quand on va y aller, on va courir, on va courir, si vous n'avez pas y aller, vous avez dit que c'est nul quoi. C'est un bagage terrible. Maintenant, quand vous avez gagné un dati plein droit, puisque c'est gang américain, gang groupe, gang gouvernement et PHTK, vous mettez la population en déroute et faites que ça couille. La bataille ça a gagné des conséquences graves au pays hein, qui bloquait dans les systématiques. Et pour garçon qui a dépassé de manière forcée les zones. Et l'école aujourd'hui qui prend un engrenage de violence gangue côté 1. Qui dit que c'est l'école, qui a posé une enveloppe avec balle dans yo pour yo payer combien de milliers de dollars américains de gagner. Nous gagnons, à part professeurs et parents avec élèves qui ont été kidnappés la semaine dernière dans le Sacré-Cœur, à part pour ces mathématiques, qui c'est la Saline, qui ont été kidnappés avec madame, petite li, avec deux autres pour encore, à part professeur Isidore dans le lycée et Marie-Jeanne qui était pour en balle, hier, dans l'école Estelle de la Providence, au groupe là, professeur, professeur qui prend balle dans le cou. Et jusqu'à présent, nous avons chargé parce que et tout hier soir, nous avons chargé l'hôpital pour le soin, pour mettre le coq à joindre. Donc, c'est une situation terrible qui demandait qu'il y ait une action immédiate qui prend une manière pour sortir la dalle. Ça, vous me connaissez. C'est la fête là, la fête en complicité avec Américains, Corps Groupe, Canada et la Lime, tout l'autre criminel à col, il y a la sapate. Mais là, que puis il y a tout le monde, on carreau, on le fait. Et que je vous dis, nous-mêmes, en population, nous pas gagnés pour nous traiter de croiser. Nous gagnons pour nous mettre des gaz sous forme sur nous, pour nous affronter avec moyens que nous venons à nous. Et c'est ça, camarade Peggy, avant de nous pour nous, qui ça qui nous repose, qui le fait pour permettre que nous sommes tous de sa famille là, je vous dis. Mais avant que Peggy, on va profiter pour nous dire. Nous gagnons une situation d'adire que les âmes absculées et coupées chaud dans le pays. Gagnons une instance dans les Nations Unies qui déclarait que quand tu fais un rapport sorti, et dans le rapport ça, il vous dit à clair que les âmes, dans le dernier temps, trafic de gros âmes entre les États-Unis et Haïti, ont augmenté. Trafic de gros âmes. Entre les États-Unis et Haïti augmenté, il a dit, mais hauteur. Et ça qui fait que, bandits, ils ont des armes, ils ont fait kidnapping pour faire comme, et ils ont des munitions en quantité parce que les États-Unis et comment alimenter. L'IMA, quoi ça a tout, et Office des Nations Unies contre drogue et contre crime, il dit que frontière, République Dominicaine, il s'est mis par soi pour s'en passer. Ça veut dire que si, je le dis, ZAM empoisonne l'existence et la population en Haïti, États-Unis responsable parce que les États-Unis ont des moyens pour contrôler les ports, pour contrôler les aéroports, pour contrôler tout côté des armes sorties. Il y a des moyens sophistiqués pour contrôler. Tu vois qu'il y a des armes qui passent, des armes qui sont inscrites, des criminels américains, canadiens, canadiens, corps groupe, pour faire le chaos, faire que les pays ne peuvent pas vivre la donne. Donc, c'est ça, nous-mêmes, au niveau du nous, et tout le monde qui a subi en bas et conséquences et toute cette situation, nous devons les décraper. Donc, nous, nous avons dit vos coups de chapeau, quelques zones qui commençaient à monter, des bagages qui nous ont dit monter, qui commencent à parler avec nous, nous pensons que c'est important pour nous monter des structures dans tout le quartier, tout le pays, pour coûter carré à ce gang. Nous avons fini pour dénoncer Issi Maniga. Issi Maniga comme ministre, qui est le gouvernement gang, a touché comme l'État, il a tout le petit pigeon voyageur, tout le jour, il a avion voyagé. Par contre, qui ça l'a dit là-bas? C'est là que il a gouvernement gang lié, un gouvernement empêché qu'il y ait des fonctionnaires, et que maintenant, la fin a dit, et la paroisse, pendant que le professeur a pris balle, et le professeur a pris balle, et le professeur a pris d'appel. Donc, Issi Maniga,
Ni le gouvernement d'Ismaël Niga, il va faire rien, il va dire, il ne va pas faire rien. Donc, d'après l'Ismaël Niga, comme le touché là, puis ça touche elle. Parents, yo, élèves, yo, étudiants, population, demandez à Niga, qui s'en a fait là. Vous demandez à Ariel, qui s'en a fait, mais demandez à Niga qui n'a qu'une éducation. Si M. Babuel Gangbo, si M. pas dans la logique criminelle là, ça serait démissionné. Et puis pas démissionné, M. Nangang et M. Abdadi, c'est responsable. L'école est théorisée là. Et ce ça, nous dit, Madiga, l'idée pour le dire, peuple là, qui s'est pas fait, ça a fait. Sinon, il va battre d'elle. C'est bien dit, Madiga. Madiga avec dictateur de la Guantanamo. Professeur de l'insécurité, qui n'a pas qu'à circuler. Maintenant, il met une insécurité économique pour des petits chèques de guerre. Nous, il doit exiger rapidement pour les supérieurs, pour directeur de l'économie, directeur lycée, économie publique, remettre sans perdre de temps chèques à tout enseignant qui bloquait, qui va faire l'école. Bon, déjà, les supérieurs, il y a des criminels dans la vie qui a bloqué les professeurs. Il va bloquer aussi le plan économique. Nous exiger ça et nous demander payer tout 18 mois. Nous devons vous qui n'a pas net des ménagères, des gardiens, des mouns qui 18 mois ils vont payer parce que les gars n'ont pas réussi. C'est ça, ils ont levé les voiles et puis tout enseignant, tout directeur, tout élève, étudiant, tout le monde dans cette éducation, lève campé contre l'ONU, contre l'Américain, contre le Canada, contre quoi groupe. Contre le gouvernement Ariel, contre les Espagnols qui nous ont appuyé, nous avons dit gagnons parce qu'il va démissionner, il va pouvoir. Merci beaucoup.